Pour la fiche 11, comme je l'expliquais dans Classly, on a le choix entre choisir une note et faire toutes les formules, ou à l'inverse, faire une formule avec toutes les notes. Alors, je vais d'abord faire je choisis une formule, allez, je vais choisir la D. Donc, je prends une note, on dit que je prends Do, il faut ensuite que je monte. Do, donc, va devenir Ré. Do, Ré, je redescends, donc je reviens sur le Do. Do, Ré, Do, sous le Do. Si, et je remonte Do. Donc ça fera Do, Ré, Do, Si, Do. Pareil, on peut le faire doucement, mais après on répète avec une certaine fluidité. Do, Ré, Do, Si, Do, c'est très bien. Après, on garde le D. On peut dire je garde le D, mais je vais partir d'un Sol. On choisit une note de départ autre. Sol, on monte au-dessus de Sol, donc on réfléchit et on redescend. Sol, La, Sol. Et maintenant, on descend. Sous le Sol, on a le Fa. Donc Sol, Fa, Sol. Je refais, ça fait Sol, La, Sol, Fa, Sol. Je répète un peu plus vite. Sol, La, Sol, Fa, Sol. Et je prends une autre note. Allez, on va faire le Ré, etc. Donc ça, c'est une des méthodes. On prend une formule et on la fait sur toutes les notes. L'autre solution, c'est je vais faire, alors tout, c'est peut-être beaucoup, mais on dit j'en fais 5. Allez, A, B, C, D, E. Et je fais tout à partir de Sol. Sol, A. Sol, je monte, je descends et je remonte. Sol, La, Si, La, Si. Sol, La, Si, La, Si. Etc. Après, je passe sur B. J'ai dit, je partais d'un Sol, donc je fais B à partir de Sol. Sol, je descends, je remonte. Sol, Fa, Sol, La, Sol. Je répète un peu plus vite. Sol, Fa, Sol, La, Sol, mais c'est pas fluide donc je recommence. Sol, Fa, Sol, La, Sol. Et ensuite je fais le C à partir de Sol toujours. Sol, je descends, etc.